Action! Je l'ai eu! Wow! Jacques-Joseph Marchand, c'est le père du jeune homme. Il y a tout un côté un peu redneck, radical, un peu de la droite. Un père qui est vraiment pro-America, les faibles devraient mourir. Une vision très comme la loi du plus fort. Là. Action, répétition. Le personnage d'Alex, qui est joué par Pierre-Luc Lafontaine, il est sympathique. On s'identifie à lui. Demain, d'abord? Fermé, dimanche. Sérieux? De toute façon, c'est pas. Alex, il est ultra naïf, tendre, empathique, sensible, qui est un peu comme assujetti à toute l'énergie négative de son père et qui devient un peu comme son soldat, quelque part. Même s'il entretient un lien très paradoxal par rapport à son père, là, de comme amour-haine. C'était quoi ça? De quoi? Yes, that, oh no, not that, yes, maybe on second thought, please. Voyons donc, t'as-tu regardé? Les gens vont jamais te respecter. Les rapports sont étranges parce que ça va du très agréable, puis ça bascule très rapidement dans quelque chose de malsain. On sent que le bonhomme est un manipulateur, c'est un passif agressif. Il promet des affaires, puis il tient pas ses promesses, tout ça. Mais leur rapport, en général, est bon. J'ai hâte de te présenter mon nouvel ami. Hein? Tu l'as acheté? Ouais. Et t'étais pas sûr? J'ai pas pu résister. J'ai réservé le chantier demain. Marc me disait, tu m'amènes quelque chose qui est vraiment intéressant parce que moi, je le voyais beaucoup plus froid que ça. Mais le fait que tu réussisses à être froid, cold, élevé, méchant, mais en subtilité, puis en même temps humain, ça le rend vraiment plus intéressant. À la première scène du film, d'ailleurs, il apprend à son fils à tirer la carabine. Puis son fils vient de se faire battre pour la énième fois à l'école. Puis il dit à son fils, est-ce que tu penses qu'il te battrait encore s'il voyait faire ça, il y a 7 ans? Mais ça donne une idée, tu sais, du minding dans lequel il a amené ce jeune garçon-là. Je trouve que le titre, l'amour est vraiment très, très bien choisi. C'est l'amour dans tout ce que ça peut être, aussi complexe et tordu que ce soit. Je t'aime. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Stephen et Alex, dans notre film, qui est le personnage inspiré de lui, aiment son père et son père l'aime aussi, tu sais, il l'aime comme un fils. Fait que, tu sais, c'est une relation complexe qu'on essaie d'étudier dans le film.